temps, c'est ça soit plus adapté aux joueurs qui viennent de but. Puis les déplacements en glissade ou des choses comme ça, ça doit être plus difficile à faire. Par contre, je pense que des commentaires que j'ai entendus, que le freinage devrait être semblable, mais que la poussée, il faut que tu travailles plus fort pour avoir une poussée comme sur la glace. Donc, je pense que ça va être un peu plus difficile. Longtemps sur la patinoire, les déplacements deviennent plus fluides. Plus que tes jambes sont sur le sol, ça glisse comme ça à glace. Vraiment, on dirait qu'ils s'adaptent au matériel auquel c'est fait. Puis la glissade est semblable. Quand on pique pour glisser de l'autre côté, c'est la même chose. Se déplacer avec les genoux, c'est la même chose. Puis les déplacements debout, là, plus qu'on est de temps sur la glace, plus on fluide comme sur la glace.